On est de retour les petits loups sur My Time at Portia. Après voilà la petite séquence d'explication sur le serveur Minecraft qui va apparaître en fin de semaine. Ben voilà, on va se faire une petite heure et demie là sur My Time at Portia parce qu'il faut que j'avance le jeu aussi. Hein. Faut qu'on l'avance, faut qu'on le finisse même. L'idée c'est ça. Parce que j'ai un autre projet solo aussi, en jeu solo par la suite. Pour le moment j'en parle pas, ce sera une surprise. Mais voilà, on va avoir d'autres projets en tête et ça sera plutôt dans l'idée. Ce soir on continuera sûrement un petit peu sur My Time at Portia pendant une ou deux heures. Et puis après on fera peut-être un petit peu de jeu, d'autres jeux, on verra ce qu'on fera. On verra, ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Il y a le son du jeu là? Ah oui, c'est bon. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. On continue l'aventure. Après Minecraft, les amis, un petit peu de My Time at Portia. On est un petit peu dans le même type au niveau du farming et tout. Au niveau du minage et tout. Donc, on reste dans la même dynamique. Allez, il neige toujours par contre. Ça, c'est moins cool. Ça. Allez vers le tunnel. Attends, parce que là, j'ai reçu un courrier là. Hop. On m'a demandé de planter les peupliers au sud du futur emplacement du bloc austral pour empêcher le sable d'être projeté sur la ville. Je ne peux pas les planter directement dans le sable. Ils ne survivraient pas. Je les plante donc d'abord dans les fermes agricoles, arboricoles. Je te charge de créer plusieurs bacs à plantes spéciaux pour que nous puissions y mettre les arbres adultes avant que... avant de les installer dans le désert. 6 juin se trouvent les schémas de l'établi que j'ai décidé. Ok. Je passerai t'apporter les arbres dans une semaine quand ils auront encore grandi un peu. Ok. Alors c'est quoi ça? Bon, déjà on a un point déjà qu'on peut attribuer. Fais voir ces petits chiens. Allez, tu me laisses regarder mon livre s'il te plaît. Merci. Alors. Ok, j'ai appris un truc. On va regarder ce que c'est. Ah, le coffre d'assistant, les amis. On va pouvoir faire des coffres d'assistant. Ce serait pas mal, ça, de voir un petit peu... vas-y, fais-moi-en un. Tu vois la taille du coffre d'assistant, là, du coup. Parce qu'on a un nouveau coffre, autant regarder à quoi il ressemble. Au niveau du stockage. Enfin, un coffre de base, c'est ça, les amis. C'est 5 sur 6. Un coffre d'assistant... C'est 5 sur 6. X 2. X 2. Voilà. Donc là, on pourra stocker des grosses quantités de ressources là-dedans. C'est bon à savoir. On va le laisser là. On verra plus tard. Donc. C'est bien après d'avoir de nouvelles choses. C'est cool. Par contre, maintenant, j'aimerais savoir où sont. Là, j'ai les petits bacs. Voilà, c'est cela. Caisse à cultiver hermétique. Une caisse à cultiver unique, capable de conserver l'eau dans des climats très secs. Ok, il faut que je fasse des grandes caisses à cultiver. Et il faut que j'ai 4 terres cultivables. Ok. 4 terres cultivables. Et des grandes caisses à cultiver. Ça, c'est à l'église de la lumière, ça, qu'on les a, ça. Faudra que j'en achète. Il me faudra 6. Ça va me coûter une blinde, ça. Allez, on va se prendre une petite quête quand même, et puis après on ira au tunnel. Parce que l'histoire, elle continue. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Il me tarde de voir le bloc astral achevé. Je pense que ce sera une belle aubaine pour notre économie. Ok, mais je t'inquiète. Le toit fuit à un endroit. Tu pourrais y jeter un oeil si t'as le temps. Ok. Ah oui, mais c'est pas ce toit-là. C'est l'autre toit là-bas. Il faudrait carrément monter sur le toit. Bon, on verra tout à l'heure.
Alors. J'ai besoin de 3 talismans. Aidez-moi à traiter cette commande. 5 pigments. Allez, je les ai, les 5 pigments en plus. Ok, les pigments, c'est bon. On va aller voir sur le toit qu'est-ce qu'il faut. Matériaux insuffisants. Mais il me faut quoi pour ça? Vas-y, mission. Ragout, on s'en moque pour le moment. Fuite sur le toit, il me faut argile durcie et dalle de marbre. Alors, on va y aller chercher ce qu'il faut. Après, on ira pêcher aussi. Faire des sous. Il m'en faut tout le temps 50 000. Alors, on va ranger un peu le barda. On aura deux Didi à placer. Tac, tac. Non, sable, c'est pas ici. On peut mettre ça dedans, à la limite. Les loot mobs. Ok. Ok. Donc il me faut donc une dalle de marbre. Ça c'est bon. Les fameux argile. Il n'a pas fini encore. Normalement il met 30 secondes. Ça devrait aller vite. Il devrait y en avoir un bientôt. Les récoltes, on va les pêcher après. On va se mettre full pêche par contre, parce qu'on a clairement besoin d'argent pour augmenter la base, pour acheter pas mal de choses. Et bien, disons l'argile. Eh bien, dis donc, il a mis du temps à me le donner celui-là. En espérant qu'à la pêche on ait de la chance. J'aimerais vraiment améliorer tous les bâtiments de l'atelier pour peser dans le game, les gars. Allez, merci hein. Hop là. Merci.
Thank you for your help. Merci pour ton aide. Allez hop. Ça c'est fait. On va maintenant mettre la quête, la quête de commande de guild en quête principale. Pigments, c'est facile. Oh, j'aurais dû prendre les pigments, j'y ai pas pensé. J'aurais dû prendre les pigments. Journal. Ah bah oui, pour l'imprimante. Hello. Hello. Excellent travail, on peut vraiment compter sur toi. Allez hop. Ça c'est fait. Easy money. On va prendre le petit transport Didi pour aller jusqu'à la zone de pêche. Et après full pêche jusqu'à 2h du matin. Hein. On va voir là en combien de temps on peut faire pas mal de sous. Allez, c'est parti. Merci. Au moment, on n'est pas trop chanceux. Enfin, un poisson qui rapporte un petit peu. Les saumons dorés, j'en ai un paquet. Hein. Et encore. Là, ça y va. Là. Ok.
Et level up. Donc on a changé de jeu, ouais on est passé sur Mathematica Partia du coup parce que j'avais fait la majorité de ce que je voulais montrer. Je voulais surtout vous montrer à quoi voulait ressembler le serveur dans cette première édition de développement. Après voilà, vu que c'est plus du codage pour le moment qu'autre chose, je voyais pas forcément l'intérêt de vous le montrer quoi. Un intérêt pour vous du moins. Pour moi si, parce que ça va être le fignolage du serveur, mais pour vous il n'y a aucun intérêt à regarder quoi. Donc du coup on avance sur Mathematica Partia. On fait les sous. Eh ben dis donc, voilà des colliers. Allez, allez, des sous-sous. Oh, les raquettes, quoi. Il faut qu'un poisson vaut 28 raquettes. Il est 23h. On va aller jusqu'à 3h. Comme ça, on va tomber dans les vapes, on verra combien de poissons on a. Un poisson à 30 pièces qui se débat autant, c'est ouf. Fortitude est suffisant.
Mais depuis quand c'est un problème ça? Depuis que j'ai plus rien à manger, qui monte là? Si. Regarde. C'est bon. Il est où le problème? J'en ai plein de pommes en plus. Si t'as plus de fortitude, mange une pomme. Les pommes, c'est la fortitude. Change d'attitude et mange une pomme. Ça montrera ta fortitude. Enfin, des slogans. Moi. Mais il est que 1 heure. Tiens, toi, je t'ai pas compté. Qu'est-ce que je pourrais manger? Mais il y a ça là qui pourrait me donner de la fortitude, mais pas beaucoup. Donc ça sert. Ah, mais il y a ça, attends. Un moyen de pêcher. Un petit peu. Se reposer. On va aller vendre tout ça. Bon, je fais un petit AFK vite fait, là, il va tomber dans les vapes, de toute façon, vous inquiétez pas. Hop, j'arrive dessus. Et heureux. Heureux mes petites cailles. Allez, on y retourne. Excusez-moi, j'avais besoin de faire quelque chose vite fait. Alors, on a du poisson à vendre. J'ai mal au crâne. Alors, d'une force, vous imaginez même pas. C'est ouf. Ah, décidément. On collectera nos minerais après. J'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Ça, c'est fait. Il me fallait quoi pour les caisses hermétiques? Il me fallait. Ah, il fallait que j'attende qu'il y ait les marchands là. De toute façon, faut que j'aille vendre mes ressources. Donc, on va aller voir s'ils sont là. Bonjour, je viens vous ruiner. Ah, si, attends. Je
peux te vendre ça. Hi. Goodbye. Allez, je te vends ça. Paf, je te vends ça. À ton tour. Je te vends ça. Je te vends ça. Je te vends ça. Et je te vends ça. Ça me fait donc 13 000. T'aurais pu mettre le Didi, Alex. Et voilà. Comment faire de l'easy money, les amis. On va aller au tunnel. On va aller au tunnel, on va aller voir ce qu'il me voulait là au tunnel. Je prends juste une petite quête vite fait. Trois chapeaux alpaga. Deux écharpes en fourrure. Bon, ok. Mais je suis pas passé catégorie A avec ces histoires, moi. Je suis toujours B, hein. Pourtant, je suis à 6000. Je me rapproche de Higgins. Bon, allez, montre-moi de moi celle-là, là, avec les alpagas. Let's go. On va aller au tunnel. On fera une session pêche encore, bien évidemment. Parce qu'il nous faut des sous. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'il me faut pour agrandir. Et le noter aussi, tant qu'à faire. Pour améliorer un peu les bases. Alors. On va déplacer aussi certains items. Voilà. Alors. Attends, annule. Poste d'assemblage, on va le décaler. On va le décaler à ici, là. Voilà. Et du coup, on a bien voulu déplacer ces différents trucs, là. On va décaler la maison, du coup. Non, non, mais elle était bien. Oh, là, échappe. Voilà. La maison, déplacée. On va la déplacer ici. Nickel. Est-ce qu'on peut l'améliorer cette maison encore? Ouais, il faudra 50 000. T'as fait le bon choix, l'ami. Bienvenue parmi nous. Installe-toi. Et merci, X-Man, X-Man Z, pour ton follow. Bienvenue parmi la team. Comme tu le vois, on est sur My Time et Portia. On essaie d'avancer un petit peu. Lui, est-ce qu'on peut l'améliorer encore? Il n'est pas niveau max. J'étais persuadé qu'il était niveau max. Non, c'est l'établi qui est niveau max. Ok, d'accord. Étable, il me fallait quoi? De droit. Je suis droit, pourtant. Je suis droit, loulou. Je suis droit, loulou. Je peux pas être plus droit que ça. C'est plus droit que ça, c'est limite... On va me prendre pour un banquier, après. Et salut, Golda. Poulailler, étable, cabanon. Enfin, je regarde ce que c'est, ça, ces trucs-là. En plus, je peux tous les faire. Je peux clairement tous les faire. Et là, on va commencer à économiser, de toute façon, parce que on va en avoir besoin pour la suite. Mais déjà, c'est bien, là. Au moins, là, on va voir venir. Pourquoi elle brille de mille feux, celle-là? Ah ouais, d'accord. Ça, on me l'avait pas dit, ça. On m'a menti, là. Bon, allez, on va laisser comme ça. Hop, on change pas. Non, on change pas. Plus, dis-moi.
On m'aurait menti. C'était pas gratuit. Comment ça va, Golda? Allez, on va aller. Faire ce qu'on a à faire. Bon, déjà, là, on a plus d'espace. C'est beaucoup plus agréable, hein, clairement. De la ficelle. Mais voilà, on va faire 10. Voilà, ça va prendre 20 minutes. Tant que j'aille faire ce que j'ai à faire. Donc, cette fameuse, ce fameux tunnel, il est où? Parce qu'on m'a envoyé sur une mission, là. C'est ici. Là, j'ai l'arrêt Didi. Là, j'ai l'arrêt Didi. Ouais, je pense que c'est là. Hein. Il y a ça, là. Il y a deux zones, là, qui sont en rouge. On va aller voir. On s'en va, on bouge. Ah bah tiens, parfait. Whoa, bah du coup j'y vais hein. Du coup j'y vais. No. Allô, Sam. Can anyone hear me? Est-ce que quelqu'un m'entend? On est là. Allô. Yeah, oui, Sam et Mine sont là aussi. Oh, thank the heavens. Juste au ciel, je m'inquiétais. Tu sais bien, on ne va pas si bien que ça en fait. Mine, t'es blessé, l'effondrement a causé un affaiblissement. On est dans une sorte de passage souterrain. Et je crois que ça fait partie des anciens puits. Ça veut dire celui qui rejoint la vieille mine? Yeah, ouais, celui-là même. Je suis devant une porte verrouillée. Essaie de voir si tu peux l'ouvrir de l'autre côté. What was that? C'était quoi ce cristal-là? On n'est pas seul, Sam? Kate. Sam, come on. We gotta allez, hurry. Dépêchons-nous. I came as fast as I could. Did you find anyone in there? Faire. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Il y a quelqu'un yes, là-dedans? Affirmatif. Arlo, Sam et Mint Arlo, Sam et Mint sont piégés là-dessous. On va passer par l'ancien puits pour essayer de l'arrêter d'attendre. La vieille mine là-bas, ça va être dangereux. Here, tiens, prends ça avec toi. Je vais essayer d'obtenir de l'aide quand t'es en ville. Do you have anything else you need to prepare? I'll wait for you at the entrance to the mine. Be quick about it, though. Ah, je suis chaud, là. Si c'est pour un boss, je suis chaud.
Ready to go? On peut y aller. C'est okay, parti. Here we go. Je suis chaud. Je suis chaud. Un peu d'aventure, les amis. Before the founding of Portia, a few miners came around here to look for relics. Someone thought it was a good idea to dig into a shaft left over from the Age of Darkness. Strangely enough, take this. You might need. Marteau de la brigade civile. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. T'es comme ça, toi. C'est violent. Ok, bah go. Oula. Salut. Allez, bisous. Hein. Dommage ça. Merci. Hein. Oula. Merci. Hein. Où c'est qu'on va là, clairement. Alors on y va. Pour la gloire! Eh merci, hein. Hop là, attendez. Moteur industriel. On va monter là-dessus là. Le chemin qui mène au coffre là-bas. Toujours plus de chemin. Non. Oui, bah vas-y. Non. Ah. On recommence. It's a switch. Maybe we'll need some power stones for this to work. Allez, je les ai. That oui. Worked. Ça marche. Nice. C'est ici là que c'est ouvert. Normalement. Carrément. Ah
Allez, du coup, on va par là. Oula, il y a des costauds là. So these are the old shafts. Voilà donc les anciens puits. I know you can handle yourself. Je sais que tu peux te débrouiller, mais fais attention. On raconte qu'il reste des gens de l'époque dans les souterrains et qu'ils n'ont plus grand chose d'humain. Cela dit, on a suivi quelques pistes et on n'a rien trouvé. Donc je pense que c'est faux, mais ça me donne quelques frissons. Ok. Bah écoute, on va voir. Hein. Ouais, plus rien d'humain, je confirme. Allez hop, merci hein. Et merci. Allez, ça dégage. Ok. Allez hop, ça dégage. Quelle violence. J'ai l'impression que je tape des mobs, mais en mode ZF quoi. Ok, nickel. On a ouvert carrément... pas de coffres spéciaux ici, là, ou de... Il a l'air d'avoir un petit chemin là. Et le petit chemin, tu sais, on sait jamais. Sur un malentendu, on peut arriver sur un coffre. Vas-y, vas-y, monte. Saute là. Attends. Hop. Et il aurait pu mettre un coffre là, hein, pour l'effort. Ils l'ont mis de l'autre côté, quoi. Ok. On n'a pas besoin de restaurer la fortitude, hein, clairement. That's Sam's boxing glove. They must have passed through here. C'est la gantbox de Sam, il a dû passer par là. Sam? Sam, Marlo? We must be on the right track. On doit être sur la bonne voie. Bien. Allez hop. Alors par contre je vois pas c'est où que j'ai ouvert cette grille par contre. Parce que dans mes souvenirs j'avais vu 3 grilles seulement. Ah mais c'est peut-être celle-là. Oh oui. Ça sent le boss les petits loups. Genre, hein. Ah ouais, oh non, Remy, tant pis, just in time. Come on, we need hand damage detected. Countermeasures applied. Toujours plus, hein.
Pourquoi je suis ciblé? Pourquoi je suis ciblé? Vas-y, prends le pouvoir. Vas-y, tapez-le, les gars. Non, 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 j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Aïe, aïe, aïe. Ah, le blaireau, quoi. Ah, le blaireau. Ah, je vous jure. Vas-y, augmente la fortitude. Et il m'a pas filé un truc pour manger aussi? Ah si, c'est ça. Alors, j'ai jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. This must be the thing causing the trembles. Ça doit être à cause de ça, les tremblements. What was that thing? C'est quoi ce truc? I think it must have been awakened by our drilling. An AI machine lying dormant from the past, like something you find in the peripheries. Look at all these marks it made on the ceiling. Regardez toutes ces marques au plafond. C'est sûrement ça qui causait les tremblements. Looks like we got here in the nick of time. On dirait qu'on est arrivé juste à temps. No idea. Je te fais pas dire. I thought we were going to be crushed. J'ai cru qu'on allait finir écrasé. All thanks to the builder. We had to get through a lot of fillings to get to this point. How did you end up here anyway? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? We were looking for a way out. On cherchait une sortie. Min thought there was a draft coming through here. Un courant d'air pour that door. Cette porte. Ah, attendez parce que. Moi je suis complétiste, je veux tout loot. Quelle heure il est? Il est 3h30 déjà. Waouh, waouh, le temps passe vite. Nickel. Rayon de soleil, c'est quoi ça? Un objet de décoration qu'on accrochait au mur durant l'ère de la corruption. Ok, d'accord, très bien. Très bien, il y a autre chose à looter là? C'est probable, hein. Mais non. Toujours plus, les amis, hein, toujours plus. Allez, go. Salut, Couleur. Ça va? La forme. La forme. Nous, encore un bon quart de 20 minutes, puis après on va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Oula, j'ai mon four vert là qui me fait un... Ah, c'est bon. Ça va, ça va. On est sortis. That was a scary. Salut, ride. Hey. Hello, Susan. Come on. The mayor must venez, le maire doit s'inquiéter. Mayor Gale. Ah.
How did you get out? Comment êtes-vous sorti? How did you get out? Long story. C'est une longue histoire, mais on est sain et sauf. On a résolu le problème de tremblement de terre. Il était causé par... C'était donc ça qui proposait, ce qui provoquait les tremblements. Je n'arrive pas à croire que le tel danger soit encore tapis sous nos pieds. Je dois écrire rapidement à Atari et envoyer quelqu'un pour inspecter les puits des environs et lister d'éventuels dangers. Et le tunnel est-il récupérable? Je pense que oui. Je vais adresser une évaluation et je vous tiens au courant. En tout cas, l'important, c'est que tout le monde aille bien. Merci pour ton soutien, Alex. Donnez-moi de l'argent. Ok. Très bien. On va pêcher un petit peu les petits loups. Ah, je peux le casser ça ? Voilà. Ok, Susan. No problem. Thanks for to be here. Bon, les petits loups. Hop, on fait le petit plein de minerais à côté. J'arrive encore à être surpris de voir des gens que j'ai pas vu depuis très longtemps. Ah, vous me direz, on peut se faire une petite session pêche vite fait vu qu'on est à côté là. Ouf. Ouais, non. Par contre, ça on va la récupérer. Attends, bouge pas, mon gars. Hop là, c'est bon, je suis à toi. Ah, il m'a laissé le marteau, au fait. Pas la peine de te couvrir, hein. Je préférais peut-être celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Boîte, là. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Mais stop! Là, elle va me tuer! Il y a un peu beaucoup de serpents là. Hein. Et c'est parti, les gars! Serpent en boîte, mais c'est une blague ça. Ça va aller là. Serpent en boîte quoi. Oh la fessée là. Ah. Allez, ça dégage. C'est d'une violence.
Grave. Nouvelle mine, les amis. Nouvelle mine. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait une mine ici. Allez. Ah, par contre, c'est dommage, j'ai plus de fortitude. Mais c'est cool. Ah, nice. Ah, les fameuses pierres jaunes pour alimenter les machines. HL. Vu qu'on est là, hein. Celle-là qui est à côté là. Ah, j'ai plus de fortitude. J'ai plus de fortitude. C'est dommage. C'est dommage. Assez dommage. C'était la dernière fois. Un gros fourré pouvant être utilisé sur une perceuse. Très bien. Une perceuse. Perceuse foreuse. Sur un malentendu, non, j'ai rien à manger. Mais on se barre en fait. Si on n'a pas de. On n'a pas ce qu'il faut. On repassera plus tard. Bon, on y repassera. Hein. On fait un tour dans cette mine là. Elle a l'air intéressante au niveau du contenu là. On va mettre un Didi ici là. Ah bah tada, ça a été mes petits loups. Bon, j'ai pu vous présenter le projet Minecraft, ça c'est cool déjà. Bon, comme vous avez vu, il y a des fignolages à faire encore. Comme tout au projet. Hein. Et comme vous avez vu, ça avance. Et du coup, ça devrait être prêt en temps et en heure. Allez, on va rentrer. On va s'arrêter là, mes petites cailles. On est sur à peu près une heure de live. J'avais pas prévu de faire du My Time at Portia, mais du coup, vu que j'ai assez rapidement le projet Minecraft, du coup, ça a permis d'aller assez vite. Merci à vous tous d'avoir été là, en tout cas pendant cette petite heure, pour ceux qui m'ont tenu compagnie. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, tout simplement. Je vais voir s'il n'y a pas un poteau, potentiellement, qui streamerait. Et puis, je vais vous envoyer chez un poteau, s'il y en a un qui stream. Peut-être Jack, je sais pas. Ben oui, il y a Jack. On va aller chez Jack, les amis. On va aller chez Jack. C'est parti. Merci à vous. N'hésitez pas à faire un coucou à Jack. Je vous dis à très bientôt. Les amis, à très bientôt pour un prochain live. N'hésitez pas à faire un petit bisou à Jack. Hein. Il mérite, le poteau. Il est cool. Il est en train, en plus, de faire du God of War pour ceux qui aiment le jeu. Allez, merci à vous.
À très bientôt. Peut-être à ce soir. Normalement, c'est prévu sur le planning. À très bientôt. Ciao, Kiss. Ciao, ciao.